Ce jeudi 22 juin, Cyril Hanouna et toute son équipe de Touche pas à mon poste fêtaient la dernière émission de la saison. Pour l'occasion, le plateau s'est transformé en danse floor, sur lequel Jordan Deluxe s'est un peu trop lâché au goût du boss. C'était soir de kermesse pour Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste. Ce jeudi 22 juin, le talk show de C8 fêtait sa dernière émission de la saison et son chef d'orchestre avait organisé pour l'occasion une grande sauterie avant l'immense chamboulement. Car, loin de se reposer sur ses acquis, le roi de la « Darka » a annoncé plusieurs changements significatifs quant au contenu de son show hebdomadaire, la saison prochaine. Exit Mathieu Delormeau et Benjamin Castaldi, place à deux petits nouveaux, qui connaissent bien l'univers de la télé, Evelyne Thomas et Alex Good. Ils sont les premiers noms d'une liste d'une demi-douzaine de nouvelles personnalités qui feront leur apparition en septembre, dont une grande figure du monde politique. Exclu du plateau par Cyril Hanouna. En attendant ce renouvellement de tête et d'idées, l'ambiance était à la gaudriole en cette clôture de saison et Cyril Hanouna avait décidé de remercier toute son équipe, y compris les personnes tapies dans l'ombre. Tout le monde y est allé de son, discret, pas de danse sur la piste jusqu'à ce que Jordan Deluxe vienne se joindre à la mêlée. Un peu trop investi, l'accoucheur de déclarations choc a commencé par sauter dans les bras du maestro, se faisant repousser à plusieurs reprises. Pas refroidi, il s'est ensuite jeté sur Daniel Moreau pour l'embrasser, quitte à sauter sur la table en verre, manquant de la briser en mille morceaux. Un geste synonyme de carton rouge puisque Cyril Hanouna, le visage renfrogné, lui a indiqué la porte de sortie. C'était pour mieux y revenir, quelques minutes plus tard, et se faire vanner par l'ensemble des chroniqueurs.